Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le vendredi 1er juin 2018 et eh bien, j'ai mis la main, comme vous voyez sur le titre de la vidéo, j'ai mis la main sur la Linux Mint 18, 19, pardon, qui devrait sortir fin juin. Hein, j'ai mis la main sur l'ISO bêta. Et donc, eh bien, je voudrais vous présenter un petit peu cette Linux Mint bêta, voir un peu comment elle s'installe, ce qu'il y a de nouveau. Et puis, voilà, vous informer un peu de ces nouveautés. Donc, on va démarrer la machine virtuelle tout de suite maintenant, à l'instant. Voilà. On va, ça peut être bien aussi, mettre le CD dedans. Tac, voilà, on va redémarrer. Alors, par contre, ouais. Hop, voilà, et on se met en plein écran. Donc voilà, vous voyez ici, bienvenue dans Linux Mint 19 Cinnamon, 64 bits. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans cette version 19 de Linux Mint? Eh bien, je vais vous le dire, le tout pendant le processus d'installation qui dure à peu près 5 minutes sur ce disque SSD. Voilà, hein, puisque comme d'habitude, mes machines virtuelles, je les mets sur un disque SSD. Pour faire mes vidéos, en tout cas, pour que ce soit un petit peu plus rapide et que l'expérience soit un peu plus sympathique. Donc, nous voilà dans quelques instants, voilà, sur le bureau de la Linux Mint 19. Et donc, on va procéder à l'installation. Donc, vous voyez déjà, les icônes sont flat. C'est le thème Minty Grec qui est par défaut maintenant dans Linux Mint, en tout cas dans l'édition 19. Donc, je vous montre l'install. Voilà, français, c'est pas la mort, hein. L'installateur, il n'a pas vraiment changé. On n'a pas d'installation minimale ou pas minimale comme dans Ubuntu. Ici, on peut installer tout ce qui est Wi-Fi, Flash, MP3 et compagnie. Donc moi, je passe outre. Ici, au niveau du partitionnement, donc on a partitionné le disque et installé, enfin effacé le disque et installé Linux Mint. On peut partitionner à la main. On peut, en partitionnement auto, choisir de chiffrer l'installation ou d'utiliser LVM. Donc moi, j'utilise le truc par défaut. On voit ici qu'il ne me fait qu'une seule partition de type EXT4, donc il fout tout au même endroit. Il n'y a même pas de partition swap, donc j'imagine que ça va être, comme dans Ubuntu, un fichier swap. Donc la fuseau horaire Paris, ok, mon nom, super, le mot de passe, on va mettre un truc long. Voilà. Je considère ça comme faible, bon ben, comme tu veux, Coco. Et voilà, et donc l'installation de Linux Mint 19 est en cours. Donc cette Linux Mint 19, elle va arriver fin juin. Les équipes de Linux Mint qui développent aussi la LMDE, la Linux Mint Debian Edition, et l'environnement de bureau de Linux Mint, Cinnamon, a décidé de sortir d'abord Cinnamon 3.8, c'est celui qui est disponible dans cette nouvelle édition de Linux Mint. Puis, une fois que ça s'est sorti, ils sortent leur Linux Mint 19. Donc basé sur Ubuntu Bionic Beaver. Et après, ils vont sortir leur Debian Edition en version 3, puisque la version LMDE est en version 2 encore à l'heure actuelle. Et c'est un petit peu vieux au niveau des, j'allais dire, des logiciels. L'ISO est assez ancienne. Donc il y aura un petit peu de rafraîchissement là-dessus. Dans cette ISO bêta, donc là, j'ai pris la version 64 bits Cinnamon. Sachez quand même que les versions 19 de Linux Mint. Donc ici c'est la 19 bêta, il y aura la 19, 19.1, 19.2, 19.3, etc. tout au long du cycle de vie de Linux Mint. Sachez que cette version 19 sera disponible en trois éditions: Cinnamon, Maté, XFCE. Donc abandon de la version KDE par Linux Mint, voilà. Là où Ubuntu proposait sa version par défaut, c'est-à-dire avec GNOME uniquement en 64 bits, voilà, je cherchais mes mots. Linux Mint 19 propose donc ces trois éditions, Cinnamon, Maté et XFCE, en 32 et en 64 bits. Donc ça fait 6 ISO disponibles différentes, voilà. Par contre, la LMDE, donc la Linux Mint Debian Edition, elle sera disponible uniquement en version Cinnamon, avec l'environnement de bureau Cinnamon. Bien sûr, il y aura du 32 et du 64 bits, mais ce sera du Cinnamon uniquement. Voilà. Comme vous le savez, vous l'avez vu sans doute dans mon C'est quoi qui dit épisode je ne sais plus combien à propos de Ubuntu et Ubuntu Maté,
Ubuntu dispose d'un paquet qui s'appelle le Ubuntu Report qui collecte des informations à propos du système et de l'utilisation du système. Bon, c'est l'outil entre guillemets flicage de Ubuntu. Donc ce paquet n'est pas converti en un Linux Mint Report ou ce qu'on veut. Bref, Ubuntu Report n'est pas inclus dans Linux Mint et donc il n'y a pas de données collectées ou de données envoyées dans Linux Mint, bien qu'elles soient basées sur la Ubuntu Bionic Beaver. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? De plus, oui, donc dans la Linux Mint 19, on est basé sur du GTK 3.22. Donc on passe du GTK 3.18 qui était le socle GTK de la précédente édition de Linux Mint. On passe en GTK 3.22, ce qui fait que toutes les nouveautés par rapport au HIDPI eh bien, sont supportées. Hein, voilà, de fait. Cinnamon 3.8 étant finalisé, eh bien, voilà, c'est pour ça que Linux Mint a été un petit peu longue à se faire attendre et qu'elle sortira un petit peu plus tard que d'habitude parce que il fallait attendre la sortie de Cinnamon 3.8. Voilà. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans les outils de Linux Mint. Il y a 2-3 petites bricoles en plus dans le gestionnaire de mise à jour, dans la Logitech. Et on a un comment on peut traduire le welcome screen là, parce que je vois sur mon autre écran, j'ai les notes. L'écran d'accueil, voilà. En particulier, il y a quelques petites nouveautés et quelques agencements différents, voilà. Et puis bien sûr, il y aura tous les guides qui vont bien à la sortie de Linux Mint 19. Donc là, c'est pas encore le cas, il n'y a pas encore les guides d'utilisation. Ça arrivera dès que ça arrivera, hein, dès que la version finale sortira. Voilà, voilà. J'ai tout dit, je pense. Ouais. Ouais, il a tout dit Adrien à ce sujet-là. Ouais, bon, bah on va attendre que tranquillement l'installation soit terminée. Et puis, eh ben, on va voir ensemble, on va parcourir cette Linux Mint, ce qu'il y a de beau. Donc vous voyez ici, il a fini d'installer la Linux Mint, il configure les paquets et il installe les paquets de langue pour avoir, vu que j'ai installé Linux Mint en français, eh ben, pour avoir une Linux Mint et un environnement complètement en français. Là où dans le LiveCD, tout est encore en anglais, à l'exception du clavier. Voilà. Donc ça fait 7 minutes 39 que la vidéo est commencée. Vous voyez, en gros, on met... Alors, j'ai peut-être traîné un petit peu à la... un petit peu blablaté, mais voilà. Vous voyez, sur un disque SSD, dans cette machine virtuelle-là, en tout cas, avec un double processeur, on est, grosso modo, à 8 minutes d'installation pour la distribution. Donc, c'est relativement rapide, en soi, par rapport à Windows, d'ailleurs. Et là, pour Linux Mint, eh ben, on a tout. Tout est inclus. La suite bureautique, les logiciels, enfin bref, tout ce qui va bien. Voilà, 8 minutes pour avoir un système complet fonctionnel. Et je continue, alors même si je suis peu présent en ce moment, dans le GUL Dijonais, hein, groupe d'utilisateurs de logiciels libres, je pense que Linux Mint, on continuera toujours à l'installer pour les débutants qui en sont très très contents d'ailleurs. Donc là, je redémarre la distribution et on va voir ensemble comment tout ça, ça se passe. Donc oui, Linux Mint, on l'installe, nous, aux débutants, parce que honnêtement, un débutant, il n'en a rien à faire d'avoir la toute dernière version de GIMP ou de LibreOffice, hein, puisqu'on sait la précédente version de Linux Mint était encore avec un LibreOffice 5. On était encore avec une vieille version de LibreOffice. Mais bon, du moment que les documents s'ouvrent, nous, c'est ce que les gens attendent. Et en fait, ils n'en ont rien à péter d'avoir une version récente de LibreOffice ou de ce qu'on veut. Donc là, on se connecte. Voilà. Et donc, on va arriver sur le bureau Cinnamon. Donc, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la consommation mémoire de l'ensemble. Bon. C'est dommage, il y a l'écran d'accueil qui est là. Donc, vous voyez, c'est en français. Donc, Cinnamon, il n'est pas léger. Hein. Donc, on est à 749, 750. Bon, là, ouais, ça monte, ça descend. En gros, comptez 800 mégas de RAM pour avoir le système
nu, j'allais dire, sans rien de lancer. Donc qui dit 800 mégas dit qu'il faut au moins 2 bons gigas pour une machine pour fonctionner avec Cinnamon. Ici, je le rappelle, je suis en 64 bits. Donc les dossiers utilisateurs sont en français, voilà. On a le thème Mint Y, qui est par défaut, donc le thème flat. Donc ici, c'est l'écran de bienvenue de Linux Mint. Là, on a un raccourci donc sur les premiers pas. On a des outils, notamment Time Shift, qui permet de faire les instantanés du système. Le gestionnaire de pilote, qui permet de... Je vais mettre mon mot de passe là. Ce gestionnaire de pilote permet de vous informer des mises à jour de pilote ou d'installer le pilote propriétaire si vous avez Nvidia ou si vous avez du Wi-Fi Broadcom par exemple. Donc là, il va nous illustrer, je suppose, avec le pilote VirtualBox. On a l'installation des connects multimédia si on ne l'a pas fait au début. On a le gestionnaire de mise à jour, les paramètres du système, le gestionnaire de logiciels. Voilà, donc ça, c'est les pilotes VirtualBox. Donc je vais revenir sur les outils Mintesk. Ici on a l'accès à la documentation, nouvelles fonctionnalités aux notes de version qui sont peut-être pas forcément à jour, donc je ne vais pas rentrer dedans. L'accès à l'aide, au forum, au salon de discussion, et on peut contribuer à Linux Mint. Donc, au niveau des outils Linux Mint, là, on a le gestionnaire de mise à jour, toujours avec ça. Bon. Là, on ne peut pas choisir le niveau. Bon. Alors, avant, on avait la petite case à cocher. Donc là, on a les infos. Ici, donc le cache de paquet va s'actualiser. Il va nous dire, voilà, il y a X mise à jour, voilà. Donc là, on peut configurer les instantanés système directement, voilà. Donc là, on a une petite info. Si quelque chose cesse de fonctionner, les instantanés vous permettent de restaurer votre système pour le rendre à nouveau fonctionnel. Donc là, vous cliquez sur valider, ça vous lance Time Shift direct. Bon, voilà, ça m'intéresse pas. Ici, dans édition, donc vous avez les sources de logiciels. Je comprends pas pourquoi mon super mot de passe long avec un caractère spécial l'indique comme faible. Donc là, dans les dépôts officiels, on va mettre des dépôts rapides. Donc là, c'est celui-là. Hop, ici c'est la fibre info. Je pense. Ah non, Réseaupol. Hop, on prend celui-là. Hop là. On a accès le cache. Voilà. Donc le cache se met à jour tranquillou. Voilà. Donc ici, c'est là qu'on retrouvera les PPA éventuellement, les dépôts supplémentaires. Ici, on a donc la possibilité à nouveau de gérer les instantanés système directement inclus dans le gestionnaire de mise à jour. Dans les préférences, ici, donc il y a une petite nouveauté. J'ai l'impression que c'est une nouveauté parce que je ne l'ai pas vu avant. Vous avez donc tout pour gérer les mises à jour, les niveaux. Donc c'est là que vous pouvez personnaliser. Donc là, eux, ils recommandent vraiment de mettre en place les instantanés système et d'appliquer toutes les mises à jour, donc y compris les noyaux. Hein. Ici, bon, on peut gérer les actualisations. On peut ajouter les paquets qui nous intéressent pas. Voilà, on a un problème avec un paquet où on veut surtout pas que tel ou tel paquet se mette à jour. Eh ben, on peut le spécifier ici. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et puis ici, on a la possibilité d'activer les mises à jour automatiques. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est nouveau. Je l'avais pas vu avant. Mais vous allez me dire, ça fait un petit moment que j'utilise, que j'ai pas utilisé une Mint. Donc c'est peut-être normal. Vous allez me dire, j'en sais rien. Mais c'était peut-être déjà présent avant, mais vous pouvez appliquer les mises à jour automatiquement. Voilà, donc ça ajoute une tâche planifiée. Puis ça fait la mise à jour automatiquement. Bon, avantage, inconvénient, comme vous voulez. Mais c'est disponible, voilà. Et puis dans l'outil vue, on peut bien sûr modifier. Donc là, quand il y aura plusieurs noyaux après qui seront disponibles, on peut installer tel ou tel noyau. Voilà, donc là on n'a que la branche 4.15. Quand Ubuntu proposera un 4.16, je crois que Linux Mint les mettra à disposition ici. Quand c'est disponible officiellement d'Ubuntu, on peut les sélectionner là. Directement dans ce gestionnaire de noyaux. Voilà, donc je ne vais pas faire les mises à jour parce que je vais vous montrer d'autres trucs dans la Logitech. Donc j'ai pas envie de... Bah, tout simplement de bloquer la Logitech. Au niveau du paramétrage, voilà, donc je vous montre ici le thème. C'est le thème Mint Y en vert. Donc ici les icônes sont disponibles partout.
en toutes les couleurs, donc on peut mettre du bleu. Par contre ici, tout ce qui est bordure de fenêtre, on n'a qu'une seule couleur, donc je suppose que ce sera disponible pour la version finale, les différentes couleurs et les différents contrôles, en version Y. Voilà, bah tiens, on va se mettre même un darker, là, ça me faire penser à mon arc dark. Voilà, je trouve ça assez sympa. Finalement, je vais remettre mes icônes vertes pour rester cohérent. Voilà. Donc au niveau du socle de base, on a quoi? On a information système. Voilà. Donc on a Linux Mint 19 Cinnamon. Cinnamon 3.8.3, puisque ils attendaient la stabilisation de Cinnamon 3.8 pour sortir cette édition de Ubuntu. De Linux Mint, pardon. Le noyau 4.15. Voilà. Donc ici, j'ai 2 Go de mémoire vive dans ma machine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de partition swap. Donc ici, on vérifie tout de suite, mais on a un fichier swap qui fait autant que la RAM. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est un fichier. Et ce n'est plus une partition. Au niveau de l'espace disque consommé, une fois l'installation effectuée, on est à 7,7 Go, auquel il faut ôter 2,1 Go de swap. Donc comptez 5 Go. 6 pour installer au minimum Linux Mint. Donc même si vous avez un disque SSD de 32 Go, au pire, je dis bien, ça le fait. Et vous pouvez avoir une Mint fonctionnelle avec tous vos logiciels favoris. Donc là, au niveau de la Logitech, bon, bah, ok, hein, gestionnaire de disque, créateur de clés USB, éditeur de texte, bon, ça casse pas la baraque. L'éditeur de texte, ce n'est pas... Donc, Cinnamon, c'est basé sur du GTK, il y a une bonne couche de GNOME derrière. Mais tous les utilitaires qui étaient GNOME, comme par exemple Gedit, ont été forqués à un moment donné pour conserver ce fichier édition, affichage, rechercher outils, enfin cette barre de menu classique, pour faire les X-Apps. Donc on a X-Ed, donc le éditeur de texte, X-Editor, j'imagine, voilà. On a donc d'ailleurs ces X-App en fait permettent notamment d'afficher quand on fait du copier-coller. Bon, donc là je vais essayer de faire un copier-coller pour vous montrer en fait ici que la barre se remplit. Donc je sais pas si je peux copier-coller un fichier de swap, mais on verra bien. Coller. Alors j'ai pas assez d'espace libre. 18,4 exo. Octet d'espace supplémentaire requis. Alors ça, c'est peut-être pas le bon fichier pour tester. D'accord, ça c'est gros. Ouais, mais bon, vu que je suis sur un SSD, ça va se copier vite. Mais vous allez voir, la fenêtre, elle va se remplir là. Oh, on a même pas le temps de voir, mais normalement, il y a la progression de copie qui s'affiche ici. Voilà, donc forcément, qui dit Cinnamon dit Nemo, en version 3.8 également. Donc l'ensemble est fonctionnel. J'ai pas essayé de tester, de naviguer sur le réseau. Eh ben, ça n'a pas l'air de fonctionner. Il manque des petits trucs, peut-être. Ouais, il manque peut-être le support du réseau. C'est couillon. Donc ça, ok. Accessoires. Donc, on a Redshift par défaut, hein, si on veut avoir l'écran qui se rougit pour éviter les rayons bleus. Voilà, au fil de la nuit. Vu que Cinnamon n'a pas de mode nuit comme GNOME, on a Redshift, donc c'est le bon compromis. La suite bureautique, donc c'est LibreOffice en version 6.0. Donc c'est comme Ubuntu, hein, 6.0.3.2, je pense. Hop, voilà. Donc ici on a LibreOffice, 6.0.3.2, voilà. Au niveau graphisme, donc on retrouve GIMP, on a Pix hein, qui est la X-App pour voir les images. Voilà. Donc il doit être un fork de la visionneuse d'images de GNOME. Voilà, on a Simple Scan qui est disponible aussi pour numériser. On a GIMP. Donc là, Ubuntu étant sous le capot, on a un GIMP. Que je vais mettre d'ailleurs en mode fenêtre unique. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Dernière version de la version 2.8.22. Bon, la version 2.10 de GIMP, elle offre vraiment pas vraiment de nouveautés pour l'utilisateur lambda. Donc, un GIMP de 8 suffit. Dans l'internet, donc on a le combo Firefox
et Thunderbird. Oups, c'était pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Donc ici, Firefox. Tchac. On a un Firefox, tada, 60, donc dernière version en date de Firefox, c'est du récent. Hop, hop, voilà. Thunderbird, c'est la dernière version 52. Voilà, 52.8.0. Le tout en 64 bits, voilà, voilà. Son et vidéo, donc on a l'installation des codecs multimédia si on ne l'a pas fait. Rhythmbox pour la musique. On a le lecteur multimédia, donc qui est le fork de Totem, j'imagine. Hein. La X-App, donc le X-Player. Voilà. Et puis, bon, bah, dans l'administration, on a quelques petits outils. Donc, le gestionnaire de logiciels, gestionnaire de mise à jour. On a Synaptic, au cas où, si jamais on a besoin d'un bon vieux Synaptic, pour installer des paquets qui ne sont pas dans la Logitech de Linux Mint directement. On a l'outil de sauvegarde. Voilà, on a Time Shift, qui était donc l'outil... Merde. On a Time Shift qui était l'outil donc de sauvegarde et d'instantané. Voilà, donc faudrait voir comment Time Shift fonctionne. Si jamais le système est complètement planté, qu'on a du mal à booter, est-ce qu'on peut quand même restaurer le système à partir d'une console, faudrait voir. Et puis après, bon, on a toutes les préférences de du panneau ici de Cinnamon. Donc le gestionnaire de logiciels il est là, voilà. On retrouve tous les logiciels, on installe FileZilla, tchac, tchac, installation. Hop. Donc cette Logitech, elle est quand même bien sympa. Puisqu'on retrouve une petite description, une image, on a les notes. Donc voilà, ouais, c'est un truc vraiment convivial. Et même si je ne vais plus trop en ce moment dans notre GUL, hein, dans notre groupe d'utilisateurs de logiciels libres sur Dijon, on conseille, nous on conseille Linux Mint, on installe Linux Mint et on en est vraiment très content. Les débutants à qui on installe ça, qui sont vraiment pas du tout initiés à l'informatique, sont vraiment ravis. C'est un produit qui marche. Après, ils s'en fichent d'avoir vraiment la dernière, toute dernière version du logiciel LibreOffice, du moment qu'ils peuvent éditer leurs documents, ouvrir leurs docs. Ça leur suffit amplement. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes à qui on installe Linux Mint et qu'on ne voit jamais. Et puis qui reviennent un an, deux ans après en nous disant « Ah, en fait, vous nous aviez installé ça, ben, ça marche toujours aussi bien. » Donc ils sont très contents. Voilà. Donc là, ça fonctionne ici. On veut installer Audacity. Audacity. Hop. On tape le nom du logiciel. Et il apparaît ici. Donc on a quelques Flatpaks, hein, puisque ça provient de FlatHub, ici. Là, on peut rechercher dans le résumé des paquets ou dans la description. Bon, plus on cherche dans des champs complexes, plus c'est long, évidemment. Vu qu'on voit FlatHub, donc j'imagine c'est un Flatpak. Hein. Voilà, donc là c'est une version Flatpak, on va essayer de voir ce que ça donne. Mais ici, visiblement, on utilise des Flatpaks chez Linux Mint. Et donc si je vais dans le terminal et que je fais un snap, que je fais tabulation, il se passe rien. Hein. Le seul outil qui commence par SN, c'est SNICE. Donc on n'a pas de snap. Donc les fameux snaps d'Ubuntu ne sont pas inclus ici. Par contre, je suis curieux de savoir comment ça marche, les Flatpaks. Donc je vais essayer d'installer Audacity via les Flatpaks. Sympa. Alors je vais voir juste si je cherche par exemple LibreOffice. Je suis curieux, ça je l'avais pas vu dans les notes de blog, qu'il y avait la disponibilité des Flatpaks. Étonnant. Voilà, donc LibreOffice, tac, non, visiblement on ne l'a pas en Flatpak. Voilà, donc si on veut installer par exemple HTOP, je sais pas si on l'a dedans. Si on l'a pas, parce que c'est des logiciels en console, bon là on l'a, on a toujours la possibilité d'utiliser notre bon vieux Synaptic. Allez hop, tiens j'installe le HTOP en plus, voilà. Donc on voit quand même que même si c'est une version bêta, attention c'est une version bêta, mais elle est relativement stable, ça marche bien, vous voyez j'ai pas eu de soucis dans ces 24 minutes de présentation. Donc ça a l'air de marcher pas trop mal. Sachez que si jamais vous mettez la main aussi sur la version bêta 19 de Linux Mint, vous l'installez, vous faites les mises à jour, vous serez automatiquement sur la version stable une fois qu'elle sortira. Voilà.
puisque si on se rend ici dans le terminal, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si on va dans etc/apt source.list.d, voilà, et qu'on fait un less de official package repository, voilà. Donc on voit ici que, eh bien, on a les sources de Linux Mint Tara, mais nulle part c'est écrit que c'est du testing ou du machin. Donc dès que ça va sortir, vous serez sur la version stable. Tout comme Ubuntu, quand on installe une version, là si on commence à installer la version 18.10 qui est en développement, au moment où la 18.10 sortira, on sera en stable. Voilà. Et donc là, je ne vous mens pas, on est bien basé sur Bionic Beaver. Voilà, la version 18.04 d'Ubuntu. Donc bon, bah, ma petite présentation est terminée. On va juste tester ce paquet Flatpak, là, au de Audacity, voir ce que ça donne. C'est la première fois de ma vie que je lance un fichier Flatpak. Bah, ça marche, voilà. Donc on voit que le thème n'est pas vraiment réutilisé. Ça, c'est parce que le Flatpak, à mon avis, est un petit peu isolé. Yeah! Bon, bah voilà, ça marche très bien. Voilà. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est que c'est une version qui semble être prometteuse, pépère, stable, et voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de Linux Mint vous a plu. Vous attendiez peut-être pas à ce que je présente Linux Mint. Mais voilà, ça me faisait plaisir. J'ai vu la nouvelle sur le blog de Linux Mint, comme quoi la version bêta était en cours de test. Donc je me suis dit, tiens, bah, ça va être sympa, on va tester. Voir un petit peu s'il y a des trucs un peu bizarres, mais visiblement tout a l'air de fonctionner out of box, out of virtual box même. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu longue, j'en suis désolé. Ma foi, bon, si vous avez aimé, allez, on va faire comme tous les youtubeurs disent, hein. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air, vous pouvez partager, vous pouvez mettre un commentaire, dites ce que vous avez pensé de cette vidéo, youpi, on est content. Et puis voilà, bah, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à dire aussi ou à donner vos remarques, vos précisions sur Linux Mint dans les commentaires qui sont évidemment ouverts. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.